Bonjour YouTube. Ça y est, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog dans le cadre de la semaine à lire, où en fait le but c'est de se fixer un nombre de pages. Et bah, du coup moi je pense que je vais me fixer 2000 pages. Et en même temps je suis à la neige. Regardez, je vais vous montrer. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique. Et donc je vous emmènerai un peu sur les pistes si j'y arrive. Voilà, bisous. Que des livres, que des livres. Après, Romain, c'est vrai que c'est trop mignon là. Regardez-moi ça. Tu l'as, mais. Oh, je suis trop contente. C'est Romain. J'ai eu plein de livres et dans une enveloppe, il y avait les noms d'autres livres. Merci, papa, maman. Bon, donc c'est censé être une semaine. Un vlog par rapport à la semaine à lire, j'ai toujours pas parlé avec vous de livres. Donc en ce moment, je lis La danse hésitante des flocons de neige et je l'ai commencé à 1h du matin dans la nuit de vendredi à samedi. Du coup, ça rentre dans le challenge. Je ne trouve plus mon marque-page, cela m'a fait peur. Ah non, je crois que j'avais fait le sacrilège de plier une page. Mon objectif pour ce challenge, c'est de lire 2000 pages. Donc franchement, j'y crois pas trop parce qu'on est déjà lundi et j'ai lu que 214 pages. Donc voilà, mais bon. Il me dit que j'allais vous accompagner avec moi. Ce livre, qu'est-ce que j'en pense? J'aime beaucoup, même si en fait j'ai lu le 3 avant le 1. Et je préfère le 3. Je trouve que les choses vont plus dans l'ordre des choses, ça ne se dit pas. Mais en même temps, j'ai hâte de le lire et je trouve que c'est une romance, parce que c'est une romance un peu au sport d'hiver. Vraiment très sympa. Donc on se retrouve plus tard. Que je vous reviens aujourd'hui pour vous parler un petit peu de mise à jour du challenge. Donc j'ai fini La danse hésitante des flocons de neige et j'ai vraiment bien aimé, même si j'ai trouvé ça un peu cucu vers la fin. Bref, voilà. Et entre temps j'ai commencé Je te hais passionnément et ça se lit mais tellement vite et j'adore. J'en suis à 195, donc je suis à la moitié en fait. Et j'aime beaucoup, je pense que je l'aurai fini d'ici ce soir, donc je vous en reparle prochainement. Elle a fait ça, Agathe. Elle a fait quoi? Elle a fait ça. Ah, c'est
s'est retourné. Et moi, j'ai roulé comme ça. Ah ouais, histoire de fou, quoi. Et Lou, on fait sa chenille avec Romain et Loulou. Et ben, on est tombé devant, elle fait... Ah ouais. Après, on s'est roulé. Ici, Agathe Reporter, nous nous apprêtons à faire place au grand froid. Ouh là là, il faut le combattre. T'es toc toc, toi. Regardez-moi ça. On est au ski, mais il neige. Ouais, souvent c'est ce qui arrive au ski. Et ça chauffe. Et j'abandonne mon téléphone avant qu'il meure. To twine with you, where the sun never goes down and time has slowed down. Would it be too crazy if we decided to stay forever? Vous avez un petit aperçu de mes cadeaux de Noël, surtout là, et je voulais vous montrer ça. En gros, mes parents pouvaient pas emmener tous les livres, du coup ils m'ont fait un mot, mais à mourir de rire parce que mon père ne sait pas recopier les titres des livres. Alors, The Kralis Marie Rutowski, ça va. Kress de Marissa Meyer, ça va. Furious de Rush et C. Stephen, ouais non papa. Step Brother de Penelope Ward. Si vous avez vu là. The Air Ibris de Brittany, c'est Cherry, là c'est bon. Celui-là, il m'a tué. Married Men, saison 5 par Roddy J. Cromover, en plus, j'avais pas vu celle-là. Reine Descendre 1 par Erika Johnson et Calib par Mira Elkundir. Voilà, ça m'avait fait trop rire. Hello YouTube, je reviens pour finir, pour clôturer ce vlog. J'ai plus de voix parce que je suis un peu malade et parce que j'ai beaucoup chanté au 31 décembre. Je vous souhaite à tous une bonne année, je vous le redirai en vidéo, mais voilà, je voulais clôturer ce vlog en vous le disant. Par rapport à la semaine à lire, j'ai lamentablement échoué, voilà, je préfère le dire. Mais en fait, ma semaine au ski a été un petit peu tachée, entre guillemets, hein, parce que c'était super, mais j'ai eu une migraine pendant une semaine. Donc quand j'avais un moment pour lire, je préférais dormir ou me mettre dans le noir, ou voilà. Donc j'ai lu un peu moins de 1000 pages, je crois, je peux exactement. C'est pas grave, voilà, ça vous a fait une petite semaine de vlog. Je suis trop contente parce qu'en fait mon frère a eu une GoPro sur vente privée genre il y a un an ou deux. Je sais pas ce que je veux dire. Et en fait on a filmé 2-3 images à la neige le dernier jour. Et j'ai réussi à les mettre sur mon téléphone, ça m'a demandé une soirée de travail là, vous voyez. Et donc là je vais vous dire au revoir et je vais vous laisser avec les petites images vite fait. Petite fin en musique avec du snow. C'est la première fois que je filmais avec la GoPro. On n'avait pas de perche ni rien en fait. On la tenait comme ça. Du coup, c'est pas très beau. Voilà. Bon, je vous souhaite à tous une merveilleuse année. J'espère que tous les petits projets que j'ai pour la chaîne vous plairont. Notamment, j'ai vu que ça vous avait beaucoup plu. Les textes oraux, celui que j'ai fait pour les joyeuses fêtes. Et j'étais juste tellement contente que ça vous plaise parce que... J'étais hyper stressée, vraiment, j'aimais pas en fait la vidéo. Je me suis dit, est-ce que je la mets, est-ce que je la mets pas? J'ai montré à ma soeur, elle m'a dit, oui c'est bien, mais là, du coup je la mets. Et vous avez trop été en mode, oh c'est bien, t'essayes des nouvelles choses et tout, du coup bah, je vais vous en faire d'autres parce que j'écris pas de romans, j'écris pas d'histoires, ça m'est arrivé d'écrire des nouvelles pour des concours au lycée. Mais en fait, je pense que si je devais écrire, ce serait des scénarios de films, ce genre de choses. Parce que j'ai trop ce truc visuel dans la tête, je visualise plus que j'écris et j'ai tendance à plus aimer les dialogues qu'autre chose. Enfin bref, on s'en fiche. Et du coup les textes oraux je trouve ça bien parce que tu peux te mettre à la place de quelqu'un et écrire sa douleur, ce genre de choses. Et je vous invite à aller voir plein de chaînes, vous tapez juste textes oraux sur internet. Et oui, il y en a, mais c'est fou le talent qu'elles ont, les filles. En plus, elles font des petits montages avec des musiques tristes derrière. Vous allez être déprimés, les gars, déprimés. Bref, bon, je vous fais des bisous, je vous laisse avec la neige. Voilà. Ah, il y a un moment, je tombe, ça va vous plaire. Bisous. Every town is just the same. I'm sick of their city games. I crave a real wild man. I'm strong out on jungle. Yeah.
holding back, just wanna shout out, give me more.